L'œuvre de Maître Eckhart est aujourd'hui un best-seller en raison de ses formules paradoxales, de son actualité, mais ce qui est retenu de cette œuvre se limite souvent à son volet allemand. Or, ce n'est là que la partie visible de l'iceberg. Vous qui, pour la plupart, êtes habitués à nos colloques, le savez déjà. Depuis un certain nombre d'années, notre équipe de recherche sur les mystiques rhénans s'attache à étudier l'autre composante, le volet latin de cette œuvre, et à le rendre accessible au public français. Alain de Libera, Henri-Édouard Weber et Émilie Zumbrunn s'étaient rendu compte de l'importance de l'œuvre latine et ils en ont publié le commentaire de la Genèse et aussi le commentaire du prologue de l'Évangile de Jean. Jean de Vrint et Jean-Claude Lagarrigue ont pris le relais en publiant le commentaire du livre de la Sagesse. Et Jean-Claude Lagarrigue a publié la traduction du livre des paraboles de la Genèse. Tout récemment, le commentaire de l'Exode. Vous avez les ouvrages sur la table de presse. Et aussi l'horloge de la sagesse d'Henri Suzeau. Et ainsi que les nouvelles questions parisiennes. Et il prépare actuellement la traduction du grand commentaire de Jean que l'on aura peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine, ainsi que les actes du procès. Donc on voit qu'il y a là vraiment maintenant un accès plus facile à l'œuvre latine d'Eckhart pour un lecteur français. Afin de recueillir tous les fruits de ce travail de traduction, entrepris depuis de longues années et pour en dégager l'enjeu et aussi ouvrir de nouveaux champs de recherche, nous rechercherons désormais les principes méthodologiques donnés par Eckhart, ce qui permettra de voir à quel point son œuvre est bien construite alors que sa logique échappait jusqu'ici. On peut noter que l'œuvre latine de Maître Eckhart consigné dans l'Opus Tripartitum, sa somme théologique en quelque sorte, qui est la partie la plus importante de son œuvre, qui constitue les gammes de sa pensée, est paradoxalement la moins étudiée. Cela tient à plusieurs raisons. Sa transmission lacunaire, le manque de traduction, bon, on vient de voir à quel point Jean-Claude Lagarrigue y a remédié, et la complexité de l'ouvrage. Il reste tout de même les deux points, transmission lacunaire et complexité de l'ouvrage. Pour ce qui est de la transmission lacunaire, on peut noter que de la première partie, l'œuvre des propositions,
il ne reste que le prologue. De la seconde, celle des questions, seuls quelques textes sont parvenus jusqu'à nous, qui continuent d'être complétés petit à petit par de nouvelles découvertes, comme celle des nouvelles questions parisiennes, Yana Unica nous en parlera, elle y travaille beaucoup. En revanche, la troisième partie de l'ouvrage, l'œuvre des expositions, est plus complète, même si on sait qu'il manque quelques ouvrages à l'ensemble. Alors, pour un petit rappel, l'œuvre latine se trouve dans les volumes 1 à 5, justement, des œuvres latines de Maître Eckhart aux éditions Collamer à Stuttgart. Mais on a noté l'autre point, c'est que cette œuvre latine est complexe et originale. Maître Eckhart y apparaît non seulement comme un bon théologien médiéval, mais aussi comme un novateur qui fait avancer la réflexion théologique tout en s'appuyant sur ses prédécesseurs et en les réinterprétant, ce qui demande tout un travail d'étude des sources. Henri Suzeau de Nifle, qui a redécouvert les textes d'Eckhart, était un scolastique thomasien qui les a édités, mais sans en percevoir toute la nouveauté. Donc, il y a eu l'édition, mais il manque l'interprétation, ce qui est normal. Vladimir Lossky, qui a beaucoup apporté avec sa thèse, est mort avant de terminer cette thèse. On a redoublé de malchance. Et du côté allemand, il y a aussi peu d'études de l'œuvre latine. Dans le cadre du projet Einerfrall-Tipri, que certains ont suivi, nous avons précisé comment Eckhart se situe par rapport au Père de l'Église. Et dans la mesure du possible, nous effectuerons un travail analogue pour Maïmonide, dans l'étude des paraboles de la Genèse en particulier, ainsi que pour Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, avec aussi des spécialistes, des auteurs. À partir de là, le but est de dégager l'apport de l'œuvre latine de Maître Eckhart, d'expliquer pourquoi, par exemple, il a écrit deux commentaires de la Genèse, de déterminer le sens de son projet d'une exégèse parabolique de l'Écriture, de rechercher si la méthode d'exégèse qu'il met en œuvre est seulement parabolique ou si elle est rationnelle, comme il le dit dans son commentaire de l'Évangile de Jean. Nous proposerons également de préciser la place de la figure du juste et le rapport à ce propos de l'œuvre latine et de l'œuvre allemande, comme le montrera Jean de Vrindt. Et là, on verra ce qu'il en est. Mais cette œuvre latine d'Eckhart ne serait peut-être pas parvenue jusqu'à nous si Nicolas de Cuse ne l'avait pas fait recopier dans le Codex Cusanus 21, redécouvert à la fin du XIXe siècle, et dans lequel seul se trouvent ces sermons latins qu'étudiera Isabelle Raviolo. Ce faisant, on passe de l'étude des sources de l'œuvre latine d'Eckhart à celle de sa réception et aussi d'Eckhart à Nicolas de Cuse. De plus, les marginalia, les notes marginales de Nicolas de Cuse, ne manquent pas d'intérêt. Elles ont déjà été étudié sur un plan édité et étudié sur un plan philologique par Stéphanie Frost, mais elles appelleraient désormais une étude de fond liée à chaque ouvrage pour préciser comment le Cusain se situe par rapport à Eckhart. Et demain, Harald Schweitzer nous dira ce qu'il en est. Pour ouvrir ce colloque, je ne prendrai qu'un exemple. Celui qu'on travaille actuellement, le commentaire de l'Évangile de Jean, qui est le maître ouvrage d'Eckhart, qui compte quelques 400 pages et qui a été peu travaillé jusqu'ici. Eckhart y renouvelle la théologie de son époque en y proposant une nouvelle expression de la théosis et il ouvre les voies de la modernité.
Le lien avec le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, que sont les sermons 101 à 104, et avec un certain nombre de sermons allemands, se dessine alors. Mais il faut essayer de voir ce qu'il en est. Et Eckhart précise d'ailleurs, tout ce qui suit est un enseignement spécifiquement moral et il est matière à sermon. Et justement, Emmanuel Boller nous montrera ce qu'il en est, comment Eckhart passe de son commentaire de Jean à sa prédication, ce qu'il retient de ce commentaire technique afin de le rendre accessible à un large public. Et je dirais, c'est un peu une carrière dans laquelle il va puiser et ensuite nourrir toute sa prédication. Ce qui nous amènera, au cours de ce colloque, à voir justement la logique interne de l'œuvre Descartes, en précisant non seulement comment il se situe par rapport à la tripartition de la philosophie antique, physique, logique, éthique, quelle partie il privilégie, bon là on était dans la partie éthique, et en même temps on recherchera quelle anthropologie, quelle christologie, quelle théologie trinitaire, quelle sotériologie il développe, ce qui nous amènera à faire ressortir la nouveauté de son propos et à préciser l'apport théologique spécifique du commentaire de Jean. À partir de là, on est confronté à un problème, parce que, bien sûr, on n'est pas les premiers, il y a tout ce travail qui est fait justement sur les textes, mais il y a eu des commentateurs qui ont travaillé avant nous, et je dirais, on est un peu comme les nains sur les épaules des géants, toujours. Or, on est confronté à deux grilles de lecture pour l'œuvre latine Descartes, la métaphysique de l'Exode ou la métaphysique du Verbe. Je dirais d'un côté l'interprétation d'Étienne Gilson, la métaphysique de l'Exode, de l'autre celle d'Émilie Zumbrunn et d'Alain de Libera, la métaphysique du Verbe. Et on va voir si le commentaire de Jean répond à cela. Alors, bien sûr, on pourrait dire c'est le commentaire de l'Exode qui va illustrer la métaphysique de l'Exode, mais ça serait beaucoup plus pour l'œuvre latine en général et aussi pour le commentaire de Jean. Donc, on va essayer de préciser tout d'abord la question de la métaphysique de l'Exode. Étienne Gilson avait employé cette expression pour préciser ce qu'il avait découvert chez saint Augustin et chez saint Thomas d'Aquin, à savoir la compréhension de l'être comme ipsum esse ou actus essendi, pardon, donc être même ou acte d'être. Or, Eckhart n'en vient pas à cette conclusion. Il commence par reformuler l'ontologie classique en ne disant pas au début de l'œuvre tripartite que Dieu est l'être, mais en inversant les termes, en disant que l'être est Dieu. Ce n'est pas là une affaire de mots, même s'il joue avec les mots, mais au contraire un refus d'enfermer Dieu dans une catégorie, serait-ce la plus haute. Il n'en demeure pas moins qu'Eckhart nous donne une clé de lecture pour son œuvre, avec la première proposition qui contient apparemment toutes les autres, qui a presque un rôle principiel et qui ne relève pas de la métaphysique de l'Exode. L'être est Dieu est indissociable de l'existence de Dieu et de son œuvre de création. Ainsi Eckhart exprime-t-il le rapport de création qui va de Dieu au monde qu'il produit. Ce qui nous amène à voir que philosophie et théologie se recouvrent et l'une permet de comprendre le sens de l'autre. L'être qui est Dieu est donc l'être de Dieu pris en lui-même ou dans la communication qu'il fait de soi sans cesser de s'appartenir à lui-même. Alors là, on a quelque chose de fondamental qui est cette communication de soi. En effet, Eckhart va à l'essentiel. Il envisage la désignation la plus haute qu'il connaisse, l'être, et il montre qu'elle ne caractérise que Dieu.
En bon philosophe, et même plus précisément en logicien, pour reprendre les catégories de la philosophie antique, on voit que finalement, il va essayer de donner une définition claire. L'être de toute chose vient immédiatement de la cause première et universelle de toute chose, donc de l'être lui-même, par lui et en lui sont toutes choses, tandis qu'il ne vient pas d'un autre. Cet être est Dieu, car il est à l'origine de tout. Il est principe, ce qui est très logique sur un plan philosophique. Eckhart entend également faire ressortir la simplicité et la pureté de son être, la Puritas Essendi, qui est le point d'orgue de son programme de prédication tel qu'il le présente dans le sermon 53. Mais à la différence de nombre de ses contemporains, Eckhart dit immédiatement que Dieu est créateur et c'est au don de l'être qu'il va s'intéresser, à cette collatio esse, à ce rassemblement de l'être. Il passe alors de la philosophie à la théologie, en disant non seulement que Dieu est l'être, mais aussi qu'il est la cause, l'origine de l'être, qu'il est fondamentalement créateur, et que par voie de conséquence, la création et la collatio esse, le rassemblement de l'être, qu'elle donne ou confère l'être. Il part d'une proposition d'ontologie classique à partir de laquelle il déploie toutes les subtilités de la spéculation pour en venir à une vision dynamique de l'être, pour dire que Dieu est essentiellement créateur et que la création est continuée. Dans le prologue à l'œuvre des propositions, il précise que de Dieu seul, toutes choses tiennent l'être, l'être un, le vrai être, l'être bon. En d'autres termes, non seulement Dieu est créateur, mais sa création est bonne. Eckhart reprend alors les transcendentaux et les subordonne à l'être, en faisant ressortir qu'ils sont créés, ce qui est une différence notable par rapport à la philosophie antique. Sans doute ne fait-il pas œuvre de novateur. Il reprend l'acquis de l'ontologie théologale d'Augustin et de Thomas d'Aquin, mais il l'envisage différemment, à partir de métaphores comme celle de la bullitio ou de l'ébullitio. Il donne également une importance centrale à l'analogie. Par l'analogie, il entend faire comprendre le rapport du créé et de l'incréé, qui est fondamental dans son œuvre, et qui montre qu'il n'y a aucune espèce de panthéisme, ce qui met directement en question les accusations de son procès. Au contraire, l'être humain est fondamentalement en relation avec son créateur. C'est une conception ontologique de l'analogie qu'il propose, à partir de la différence ontologique et de la dépendance dans l'être, et non pas une conception platonicienne qui impliquerait la ressemblance et la participation. En effet, s'il adjoint une réflexion sur la création, c'est pour faire ressortir l'originalité du Dieu de la Bible, qui est fondamentalement foyer d'amour. Dans le commentaire de la Genèse, il propose une clé de lecture en ces termes. De même que la créature a son être, et que son être, ou ce qui pour elle est être, c'est de recevoir l'être, ainsi, pour Dieu, être, c'est donner l'être, parce qu'en règle universelle pour lui, agir, c'est œuvrer, c'est être. Par elle-même, la créature n'est rien, ce qui lui a été reproché, mais elle reçoit son être tout entier de Dieu, et plus largement, elle se reçoit tout entière de Dieu. Eckhart reprend la même idée dans le sermon latin 38, où il rappelle que l'homme n'a pas l'être par lui-même, mais qu'il le reçoit de son Créateur. L'être est synonyme de don pur et gratuit, c'est pourquoi il caractérise Dieu, ce qui n'a pas été compris par les censeurs de son procès, et n'a pas été tellement relevé jusqu'ici. En revanche, Eckhart explique, dans ce même sermon latin 38, qu'un chemin est proposé à l'être humain pour rejoindre son Créateur. Celui de l'humilité ou du détachement,
qui lui permet de reconnaître et d'accueillir ce don de Dieu, et par là, de pâtir Dieu, de laisser Dieu accomplir ce qu'il a commencé en chacun, afin que l'être humain devienne par grâce ce qu'il est par nature, ce que l'on a au numéro 106 du commentaire de l'Évangile de Jean. Cela permet de situer la place du détachement et de préciser le rapport entre l'homme et Dieu, ce qui a aussi été assez peu étudié. Si Eckhart donne une telle importance au détachement dans son plus grand sermon, qu'est le sermon 52, ce n'est pas le fruit du hasard, mais l'exposé de la condition de possibilité de la constitution de l'être. L'être humain est réceptivité, alors que la puritas essendi, qu'est Dieu, ne comporte aucune puissance passive, mais se communique, c'est-à-dire il y en a un qui reçoit, l'autre qui se communique, et il y a, cette ébullition permanente, en quelque sorte, qui intervient. Et on a cela dans la première question parisienne, par exemple, au numéro 2. Autant dire que la prédication Descartes est fondée ontologiquement, comme cela ressort d'ailleurs du sermon 8 et du commentaire de Jean. Et l'on voit qu'à la suite de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, Eckhart développe une ontologie théologale où l'amour a une place essentielle, étant donné que c'est lui qui permet de monter pour rejoindre Dieu. C'est alors toute une synergie qui se réalise entre l'amour de Dieu qui se fait dans ce don constant, exprimé par la grâce, et l'amour de l'être humain qui, par le détachement, se décentre ou encore se recentre pour laisser Dieu agir en lui. Et l'agir divin est quelque chose de fondamental, comme l'a montré Dietmar Mit dans son ouvrage sur Eckhart. On comprend à quel point le soubassement ontologique de l'œuvre latine est important pour saisir le sens du détachement écartien, ce qui montre que spéculation et mystique sont indissociables. Mais là aussi, dans la littérature secondaire, dans les commentateurs, il y a quelques difficultés. Par exemple, Virginie Pectas refuse la dimension mystique en oubliant de prendre en compte la réflexion Descartes sur la création et sur la Trinité. Et si son livre établit à juste titre, à la suite de Vladimir Lossky, que la définition écartienne de l'être comme cause première et immédiate implique nécessairement l'identité de l'être et de Dieu, s'il prend en compte les sources philosophiques de la pensée écartienne, en revanche, il ne dégage pas le sens de la référence au premier chapitre de la Genèse, qui donne une autre compréhension de Dieu et de l'être, par laquelle s'exprime l'originalité de la compréhension écartienne de Dieu. Et c'est là encore un point peu travaillé, mais dont Fernand Brunner avait saisi l'importance et qui va au-delà de la métaphysique de l'Exode, qui s'ouvre sur l'ontothéologie. Ce qui nous amène à nous demander si Eckhart se situe ou est à l'origine de l'ontothéologie qui marque un peu l'épuisement de la pensée originelle selon Heidegger, ou bien s'il est de ceux qui vont au-delà de la philosophie scolaire pour penser l'être qui est en chacun et non pas seulement un des transcendentaux. Et on voit que pour Eckhart, la pensée de l'être cesse de viser l'être comme objet de pensée pour analyser la pensée comme expression du Dasein, de l'être là, ainsi qu'Heidegger l'explique dans ses leçons sur Eckhart. Ce qui nous amène à voir qu'Eckhart renouvelle aussi bien la compréhension de Dieu que celle de l'être humain, ce qui implique toute une réflexion sur le sujet, et c'est l'objet de la thèse actuellement de Thomas Petrucella qui nous présentera les premiers résultats de ses recherches demain, et on voit à quel point Eckhart y a joué un rôle de pionnier. Force est donc de constater
que la métaphysique de l'Exode ne rend pas compte de l'originalité de l'œuvre latine des cartes. Alors, c'est ma conclusion, mais il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, c'est quelque chose qui est à discuter. Alors, maintenant, sans être trop longue, on va voir l'autre option, la métaphysique du verbe, proposée en particulier par Alain de Libera, et justement qui est tout entière fondée sur le commentaire de Jean. Cette métaphysique du verbe, disait Alain de Libera, qui constitue le point d'aboutissement de toute l'expérience philosophique et religieuse des cartes, est en même temps la plus éminente. Elle marque également l'originalité de ce grand lecteur de l'évangile de Jean qu'a été Eckhart. Et ce n'est pas un hasard si le Thuringien a ouvert son œuvre tripartite en faisant d'emblée ressortir que Dieu est créateur, qu'il a tout créé in principio, dans le Verbe, où l'on retrouve à la fois les premiers mots de la Genèse et les premiers mots du prologue de Jean. Si l'on a parfois noté qu'Eckhart est marqué par la lecture de Jean, il ressort en fait que son commentaire de Jean peut travailler parce que non traduit jusqu'ici, et en fait le creuset de son œuvre, où il passe de la création à la création nouvelle, en donnant toute sa mesure à la naissance de Dieu dans l'âme, à la filiation divine, à cette version occidentale de la théosis, qui est l'axe de son œuvre. Donc là, j'ai ouvert quelques voies pour essayer de préciser l'apport de l'œuvre latine des cartes, les lectures qui en ont été faites, la métaphysique de l'Exode qui fait un peu difficulté, la métaphysique du verbe qui est peut-être plus adaptée, ou bien une troisième voie, et les uns et les autres vont amener les différentes pièces du puzzle au cours de ces deux journées pour justement préciser l'apport spécifique d'Eckhart dans son œuvre latine, qui est vraiment son œuvre théologique, parce que son œuvre allemande est très bien, mais ce sont quand même des notes prises par ses auditeurs, notes qu'il a parfois relues. Des éléments qu'il a lui-même rédigés, par exemple le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, les traités, les entretiens spirituels. Mais l'œuvre latine est une œuvre beaucoup plus travaillée, beaucoup plus difficile. Vous avez vu qu'il y a quand même des enjeux théologiques importants qui en ressortent. Et justement, maintenant que le texte a été scientifiquement établi dans l'édition Collamer, maintenant qu'on a une traduction française, on peut justement essayer de voir son apport, et cela permettra aussi de voir à quel point Eckhart est l'un des penseurs majeurs du XIVe siècle. Je vous remercie. Smile.